Comme ça. Mais avez-vous déjà rêvé d'un gummy bear géant? D'ailleurs, je sais pas si je suis sur le premier à faire un review là-dessus. En français, je parle. En anglais, Et le voici. Ah, il sent encore bon. Alors, le voici. C'est un gummy bear géant. Et oui, on peut le manger. Mais, comment on dit déjà le mot? Edible, comment on dit en français déjà? Il est comestible? C'est ça le mot? Je pense que c'est ça le mot. Comestible. Donc oui, on peut le manger. Comme là, il y a plusieurs saveurs. Comme là, par exemple, ça c'est la combinaison de bleuet. Attends, je vais checker sur la boîte. J'ai gardé la boîte. Ok, donc voici la boîte du plus large gummy bear du monde. Ce n'est pas le plus grand, malheureusement. Mais ça, c'est le plus large, mais pas le plus grand. Donc, voici la boîte. Et ça, c'est tous les gummy bears que tu peux avoir. Tu peux avoir cerise, orange, citron, lime. Pomme surette, blue raspberry, je m'en rappelle plus c'est quoi ça, bleuet, c'est plus ce bleuet, en tout cas, voyons, j'ai oublié le nom, raisin, c'est ça, raisin. J'ai oublié le nom. Ananas. Bubble gum. Gum balloon. Fruité. Cola. Et cerise cola. Et moi, regarde. Ça, c'est le plus grand. Puis ça, c'est le plus large. Donc ça, c'est le deuxième plus grand gummy bear du monde. Il y a aussi giant gummy bear on a stick, gummy worm, puis gummy bottle. Taille 10 inch tall. 5 livres. Ben, je pense que c'est livres. LB, là. Et c'est fait aux États-Unis. Et dans le fond, si vous voulez en acheter un, si vous aimez les gummy bears, comme moi, ben, vous pouvez l'acheter sur vat19.com. Vat19.com, ils vendent plein. Vat19.com, ils vendent plein
plein de choses curieuses et amusantes qui servent un peu à rien, mais c'est pour le fun. Comme par exemple, ils ont fait un chat. Ou comme qui fait du bruit quand tu pèses sur son oreille. Ils vendent la pâte à modeler, la pâte là. Plein d'affaires. C'est vraiment le fun, mais c'est ça. Donc là, il faudra bientôt que je le mette dans le frigidaire parce qu'il commence à devenir collant. Donc le voici. Le gummy bear. Je l'ai eu à ma fête. Donc je l'ai eu en mars. Donc ouais, c'est pas mal ça pour cette vidéo là. Donc je voulais vous montrer ça. Et je vais faire un review bientôt sur... ça dépend la force. Soit un Lego... Ben, vous avez vu avec Dino Surprise, fait que c'est un des deux. Ou peut-être quelque chose d'autre qui est un peu passé date. Mais bon, pareil comme ça. Donc, moi, je le remets dans sa boîte, je le remets dans le frigidaire, je vous dis bien.